Pour commencer, je suis né dans une famille où tout le monde chante. Il y avait mon frère qui mettait de la musique chaque jour. On était en train d'écouter la musique chaque jour. Je pouvais chanter pendant plusieurs heures et ne pas me fatiguer. Et c'est là que j'avais su que j'étais vraiment appelé à ça. Personnellement, j'aime la musique. Que ce soit les Kintweni, que ce soit les Mutuashi, que ce soit l'R&B, que ce soit le gospel, Stevie aime la musique. J'aimerais souligner une chose très importante, c'est que à chaque fois que je m'inspire, je me rends compte après que mes inspirations sont comme des prophéties. Ça, c'est un. C'est-à-dire que le Saint-Esprit m'inspire. Et deuxièmement, je m'inspire de la Bible, de la vie quotidienne, de ce que je vois, de ce que je vis. Et c'est comme ça que je m'inspire. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Non, oui, vous êtes vraiment bien de vos fans de vos sols. Ok. Bon, vous avez 2 minutes au sol. C'est vraiment un petit message. Je ne vous prendrai pas vraiment beaucoup du temps. Frère. Naza, évangéliste. Le petit message que j'avais à partager avec vous est que Dieu vous aime. J'ai eu des 16 ans ou des temps lesquels j'ai travaillé certains artistes. Ça m'a vraiment aidé à enrichir ma musique. Madja Boutalent représente un canal lequel Dieu voulait ou veut que je passe parce que Dieu est la source. Il sait comment canaliser les choses et tout.